Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par HFC. Je suis Sophie Kelleganian, en charge des formations techniques pour HFC, donc pour Flamco et Comap. Et je vous propose aujourd'hui de vous présenter un projet de rénovation d'un ensemble de logements, donc de 700 logements, donc avec les solutions techniques qui ont été proposées par Flamco et Comap. Ce webinaire va durer 30 minutes. Vous pouvez poser des questions à l'écrit et j'y répondrai comme d'habitude après le webinaire. Alors, en termes de sommaire, je vous propose tout d'abord de vous présenter le projet dans sa globalité, ses objectifs, ses généralités, le contexte, les enjeux. Et ensuite, je vous présenterai les différentes solutions qui ont été proposées par Flamco et Comap, donc autour du maintien de pression, de l'équilibrage du réseau, de la robinetterie de radiateur et des solutions pour assurer la pérennité du réseau en traitant les problématiques liées à l'air et au boue. Alors, pour commencer, quelques informations sur le projet. Donc, on est sur un projet de rénovation, une grosse rénovation. Le client, c'est un bailleur social qui a donc des obligations de rénovation de son patrimoine, notamment pour limiter les consommations énergétiques. C'est un gros enjeu actuel pour les bailleurs sociaux. Dans les objectifs de ce projet de rénovation, on a le remplacement des équipements vétustes. On a apporté du confort aux locataires, notamment pour éliminer, pour éviter en grande partie les plaintes. Bien entendu, l'optimisation de la consommation énergétique et assurer la pérennité de l'installation ici dans le cadre du chauffage. Alors, le contexte, on est sur un ensemble de 700 logements. C'est une construction des années 70, donc ça veut dire que principalement, on est sur un réseau vertical, donc les colonnes alimentent des radiateurs directement. On a deux chaufferies collectives avec chacune deux chaudières et une des chaufferies alimente une sous-station. Le réseau est très étendu, donc on sait qu'on a des entrées d'air dans pas mal d'endroits. Remplacement des équipements au fur et à mesure de la vétusté. Donc les chaudières, deux chaudières ont été déjà remplacées, elles sont relativement récentes et on va remplacer les deux dernières chaudières. On est donc sur une technologie de chaudière à condensation, ça veut dire que la température de retour en chaudière est importante de manière à assurer la condensation en chaudière. Techniquement, ça veut dire qu'il va falloir faire attention à l'équilibrage de l'installation pour assurer cette température de retour. Les pompes du primaire ont été changées. On a maintenant des pompes à vitesse variable et on va passer donc en débit variable dans l'installation puisque la robinetterie de radiateur qui était de la robinetterie manuelle, va être remplacée également par de la robinetterie thermostatique. On passe en débit variable, donc là aussi, l'équilibrage a une importance assez grande puisqu'il va falloir assurer les débits et en même temps optimiser énergétiquement l'installation. La partie des réseaux en chaufferie, donc les sorties chaudières, sont rénovées également, mais la totalité du réseau, c'est-à-dire les colonnes, les branches et donc tous les réseaux terminaux pour alimenter les radiateurs sont conservés. Ça veut dire que comme on a une installation vieillissante, on sait que les réseaux sont plus ou moins encrassés. Donc par conséquent, pour l'équilibrage, on n'a pas de données, donc on n'a pas de données de débit, on va les évaluer, mais on n'a pas non plus de données perte de charge. Donc voilà un petit peu le contexte de ce projet de rénovation. Les enjeux, le premier enjeu, c'est d'apporter du confort dans tous les logements. Il y avait des problèmes d'équilibrage, on va résoudre ces problèmes d'équilibrage. L'objectif, c'est numéro un, c'est d'apporter du confort. Donc, revoir l'équilibrage et assurer les débits, ce sera très important pour cette notion de confort, mais aussi pour la partie optimiser la consommation énergétique. Donc, on va mettre de la robinetterie thermostatique sur les radiateurs, on va assurer la température de retour chaudière pour condenser en chaudière et on va équilibrer correctement l'installation. Comme on est sur du débit variable, on va travailler sur un équilibrage dynamique de l'installation. Et ensuite, le dernier point, on veut fiabiliser l'installation pour assurer sa pérennité. Donc, on va travailler sur le maintien de pression qui doit être changé. On va nettoyer le réseau avant de faire l'équilibrage. Et derrière, on va assurer une qualité d'eau optimale, c'est-à-dire qu'on va piéger l'air,
On va évacuer les boues, on va conditionner l'eau de manière à ce que tout soit irréprochable au niveau du réseau. Alors, les solutions techniques qui ont été proposées. Tout d'abord, le maintien de pression. On l'a dit, on est sur un réseau qui est plutôt étendu. On a beaucoup de logements, donc c'est pourquoi le réseau est étendu, mais on a une hauteur d'eau au niveau de l'installation qui n'est pas très importante puisque les immeubles sont essentiellement en R+2, voire R+3. Donc un réseau avec peu de hauteur d'eau, donc peu de pression statique liée à la hauteur d'eau, mais un grand volume d'eau, très étendu. La technologie qui est choisie au niveau du maintien de pression, dans ce cas de figure, c'est la technologie à compresseur, autrement dit, côté Flamco, c'est le Flamcomat MKU. Il y aura deux Flamcomat de 600 litres. Avec des options. Donc, dans les options, on aura la détection de rupture de membrane, on aura la supervision. L'objectif, c'est que l'exploitant, il ait accès à tout moment au niveau dans son vase d'expansion et à la pression de service et à la pression dans l'installation. Et on va intégrer aussi un appoint d'eau automatique. Les bénéfices de cette technologie. Alors, le Flamcomat MKU que vous pouvez voir ici sur la droite, donc vous pouvez voir le vase d'expansion en coupe, la vessie interchangeable à l'intérieur, la partie électronique avec le compresseur, les électrovannes et le module de commande qui est la Flextronic. Donc vous pouvez voir ici le tableau de commande. Il n'est pas forcément très juste. Alors l'avantage de ce produit-là, c'est tout d'abord qu'il est facile à installer, la mise en service elle est rapide. Alors il y a un accompagnement de Flamco pour la mise en service de ces produits. Il y a aussi l'application Flam Connect, donc il suffit pour l'installateur de scanner le QR code sur le produit et de suivre sur sa tablette pas à pas ce qu'il doit faire pour la mise en service. L'avantage de ce produit, c'est qu'on a un maintien souple de la pression. En fait, on a un matelas d'air. On va agir sur l'air et l'air va agir sur l'eau. Donc, on a quelque chose de souple, donc qui est tout à fait adapté pour des systèmes qui sont régulés tels que ce qu'on va avoir dans notre installation. Donc, c'est stable, ça fonctionne bien, c'est souple, sans à-coups. Donc, c'est complètement adapté pour notre installation ici qui est plutôt étendue avec une hauteur d'eau pas très importante. La régulation de la pression de service peut être faite de manière très précise, à plus ou moins 0,1 bar. On va piloter de manière fine, en fait, les flux et reflux d'eau. La membrane, bien entendu, est imperméable à l'air. L'encombrement est réduit. Le compresseur et l'automate sont sur le vase d'expansion. Donc, on a une empreinte au sol qui est relativement réduite. On peut, comme on l'a dit, s'intégrer dans le système de gestion centralisée du bâtiment, celle qui existe notamment. On va réalimenter le vase en fonction d'un niveau contrôlé. En fait, en pied du vase d'expansion, on va avoir un capteur de poids étanche. Donc, ça permet d'évaluer le niveau dans le ballon et de faire des appoints d'eau automatiques. Et vous verrez qu'ensuite, on va combiner notre produit avec le Vacumat Eco afin de pouvoir réalimenter notre installation avec de l'eau qui va être dégazée. Quelques éléments maintenant pour le dimensionnement. Donc, le dimensionnement ici n'est pas précis du tout, mais c'est pour vous donner quelques éléments pour savoir comment on va dimensionner ce type de technologie. Au niveau de la pression, on a une hauteur statique qui n'est pas très importante, à peu près une dizaine de mètres, c'est ce que j'ai pris en considération. On veut absolument avoir une surpression en point haut, 0,3 bar minimum. Pourquoi une surpression en point haut? C'est pour éviter les entrées d'air en point haut. Il ne faut surtout pas qu'on soit en aspiration en point haut, ne surtout pas rentrer de l'air dans l'installation. Donc, on veut 0,3 bar en point haut. Ça veut dire que notre pression initiale au niveau du maintien de pression est de 1,3 bar, le maintien de pression étant en pied d'installation. L'hystérésis, si on l'évalue à 0,2 bar par exemple, ça fait qu'on aura une pression de service de 1,5 bar avec une soupape tarée à 3 bar. Au niveau de la capacité du vase, notre volume d'eau de l'installation, il faut l'évaluer. Ici, elle est évaluée à 25 mètres cubes. Il existe des tables pour évaluer le volume d'eau contenu dans les radiateurs, dans les tuyauteries, etc., pour faire une évaluation correcte de la quantité d'eau qui est contenue dans l'installation. Notre eau va être chauffée à une température moyenne de 60 degrés, ce qui nous donne un coefficient d'expansion de 1,7.
Donc, avec ces données, ça nous permet de savoir que le volume brut pour le maintien de pression, il est calculé à 556 litres, d'où la proposition d'un maintien de pression à 600 litres. Donc, voilà quelques éléments de dimensionnement de l'installation. Bien entendu, Flamco vous accompagne pour dimensionner vos vases d'expansion en fonction de vos données techniques, donc avec la pression d'un côté et la capacité du réseau de l'autre. Donc, voilà un petit peu ce qui est proposé au niveau du maintien de pression. Maintenant, l'équilibrage du réseau. Alors, au niveau du contexte, le réseau est donc ancien. On a un nombre très important de colonnes, à peu près 250. On a des grosses pompes à vitesse variable au primaire. Alors, on connaît les diamètres de canalisation, les diamètres extérieurs de canalisation, mais on n'a pas de données sur les débits qui ont diminué d'année en année. On n'a pas de données non plus sur les pertes de charge dans la mesure où les sections de passage, on ne les connaît pas, on ne sait pas à quel point le réseau est encrassé. Au niveau de la structure du réseau, on va avoir en fait une canalisation principale avec des colonnes qui vont alimenter directement des radiateurs, mais on a aussi une partie du réseau avec des circuits qui alimentent des bâtiments complets. L'objectif dans la stratégie d'équilibrage, ça va être de rendre un petit peu les bâtiments et les colonnes indépendantes de manière à pouvoir équilibrer cette installation. Tout d'abord, la première chose à faire avant de faire une opération d'équilibrage, c'est nettoyer le réseau. Nettoyer le réseau, c'est-à-dire d'essayer de décrocher un maximum les dépôts pour les envoyer dans le pot à bout et nettoyer tout ça. L'objectif, c'est d'améliorer le rendement de l'installation. Donc, il existe des produits comme le Sentinel X400, par exemple, qui est un désembouteur qui est là pour nettoyer les réseaux anciens. Donc, comme on l'a dit, il décroche, il met en suspension les dépôts et les emmène jusqu'au pot à bout. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire avant l'équilibrage de l'installation pour assurer un rendement correct après, une fois qu'on aura rééquilibré cette installation. La stratégie d'équilibrage, comme je l'ai évoqué, on va être de rendre les colonnes et les bâtiments indépendants. Donc, au niveau de l'installation, on va en fait mettre des régulateurs de delta P sur tous les pieds de colonne, de manière à rendre les colonnes indépendantes. Et derrière, on va installer des autosars. Les autosars sont donc des robinets auto-équilibrants sur tous les radiateurs. Au niveau des bâtiments, c'est pareil, on va mettre des régulateurs de delta P sur les entrées de bâtiments. Comme ça, on rend les bâtiments indépendants et indépendants également des colonnes. À l'intérieur des bâtiments, étant donné qu'on a déjà mis des régulateurs de delta P, on va mettre des vannes statiques, donc des fluctus en pied de colonne. Et ensuite, sur les radiateurs, on mettra des autosars, donc des robinets auto-équilibrants. Bien entendu, en amont, il va falloir évaluer les débits sur les radiateurs. Ça, on sait faire. Au niveau de la mise en service, comment va-t-on faire? On va installer donc les vannes et les robinets thermostatiques sur les radiateurs. Par contre, on ne va pas installer les têtes de manière à ce qu'il n'y ait pas de régulation. On va mettre l'installation en service à débit maximum et à ce moment-là, on va régler les vannes passives, autrement dit les régulateurs de delta P par rapport à ce qu'ils voient. La deuxième étape, une fois que tout ça sera réglé, ça sera l'installation des têtes thermostatiques pour pouvoir ensuite faire de la régulation de débit. Alors, un mot sur les vannes. Fluctus d'un côté, passine de l'autre. La vanne fluctus que vous pouvez voir ici avec son robinet de vidange, donc c'est une vanne d'équilibrage statique. C'est celle qu'on va mettre donc une fois que le bâtiment est rendu indépendant par un régulateur de delta P, on va mettre la vanne fluctus sur les colonnes. L'avantage de cette vanne, c'est que c'est une vanne à point haut, c'est une vanne de réglage à point haut, donc elle résiste à l'encrassement. Ça permet d'être, elle résiste aussi à l'érosion, donc ça permet d'être sûr que le réglage va durer dans le temps, après plusieurs années d'utilisation. C'est aussi une vanne à billes, une vanne d'isolement. Donc en fait, la Fluctus, c'est une vanne d'isolement combinée avec une vanne de réglage. Donc, ça veut dire qu'on a une vraie isolation sur la colonne. Et on a aussi, grâce à la vidange, à l'option vidange, la vidange qui est intégrée. Donc, même si cette vanne ne sera peut-être pas réglée sur les colonnes, puisqu'elle va être là pour protéger les autosars, il est intéressant de la mettre, puisque de toute façon, on va mettre une vanne d'isolation sur la colonne. On a besoin d'une vidange. Donc, le fait d'avoir une vanne fluctus, même si elle n'est pas réglée, fait qu'on aura les prises de pression et qu'on pourra
pendant la vie du réseau, faire du diagnostic, mesurer les débits. On ne sera pas aveugle sur le réseau. Donc, il est vraiment intéressant d'utiliser cette vanne Fluctus pour toute cette combinaison qui lui apporte beaucoup de valeur ajoutée. De plus, elle est munie d'un venturi. L'avantage du venturi, c'est que la mise en service de la vanne, c'est 20 secondes. Il faut 20 secondes pour la régler. La précision, elle est de 3% sur le réglage qu'on va faire et on n'a pas besoin de longueur droite en amont ou en aval. Là, on sera sur les colonnes, donc il n'y a pas tellement de problématiques de longueur droite. Mais si on doit utiliser une vanne, par exemple, en gaine palière sur des zones restreintes, cette vanne est tout à fait indiquée puisqu'il n'y a pas besoin de longueur droite. Donc, en zone restreinte, dans un espace un peu restreint, elle est très pratique. Un mot sur le régulateur de delta P maintenant, donc la vanne Passim que vous voyez ici en bas à droite. Son capillaire la relie à la vanne partenaire qui est ici une vanne Vertex. La vanne partenaire avec le capillaire permet d'avoir l'information de pression amont et sous la membrane qui est donc sous le capillaire, on va avoir l'information de pression aval, donc pour régler une delta P. L'avantage de cette vanne, c'est qu'elle existe déjà pour une grande plage de réglage entre 5 et 100 kPa. Ça permet d'éliminer les problèmes de bruit dans l'installation puisqu'on régule une delta P. Elle est facile à installer, elle est facile à régler. La vidange est intégrée également. Et en vanne partenaire, on peut utiliser la Fluctus ou la Vertex. Il est intéressant d'avoir une vraie vanne partenaire. Si jamais on doit régler quelque chose, on peut le faire. Elle permet de vidanger. Là aussi, elle permet d'avoir un réglage, une lecture du débit et une isolation. Donc, ça permet de ne pas être aveugle sur le réseau et de pouvoir isoler et vidanger si besoin. Donc, voilà les vannes d'équilibrage et la stratégie d'équilibrage qui est cette fois-ci proposée par Comap sur cette installation. Ensuite, la robinetterie de radiateur. Robinetterie de radiateur, comme je l'ai évoqué, on va mettre des robinets auto-équilibrants, donc des autosars, sur tous les radiateurs. L'objectif de l'autosar, c'est d'avoir un débit nominal, donc le débit qu'on va régler, qui ne sera jamais dépassé. Excusez-moi, j'ai l'écran qui saute, on dirait. Le débit ne sera jamais dépassé, donc pas de surconsommation énergétique. L'autosar va être accompagné d'une tête sensitive, qui est une tête performante avec une VT, donc une variation temporelle de 0,2. Donc, c'est ce qu'on a de plus. C'est pas la tête la plus performante qui existe sur le marché puisque c'est la Sensity 0,1, mais dans le cadre de la rénovation, elle sera tout à fait adaptée à ce qu'on veut obtenir en termes d'optimisation énergétique. Là où on devra changer les raccords de réglage, on propose bien entendu le raccord de réglage. La tête Sensity et l'autosar sont certifiés EN215, donc ça veut dire que la performance est certifiée. Donc la consommation énergétique sera optimisée quoi qu'il se passe sur le réseau. On a équilibré l'installation en amont, on rajoute un autosar sur le radiateur, donc on est complètement optimisé énergétiquement parlant. Et on apporte du confort avec notamment la tête thermostatique. Un mot sur ces produits. Alors, sur l'autosar, c'est un produit qui est robuste et précis. Ça fait quelques temps maintenant qu'il est à la gamme des produits qui sont proposés par Comap. Il est précis en termes de régulation de débit. Vous pouvez voir ici la courbe rouge qui est la courbe donc de l'autosar de régulation de débit entre 0,1 et 0,6 bar. Vous pouvez voir les courbes concurrentes en dessous. Donc, on a un autosar qui est plutôt précis en régulation de débit. Et on a un produit qui est pérenne dans le temps, on va dire, qui va pouvoir réguler de manière pérenne dans le sens où la régulation de la delta P se fait via la membrane que je montre ici avec ma souris, qui n'est pas du tout dans le flux. Donc, on sait qu'il n'y a pas de particules qui vont venir se loger en haut et au-dessus et en dessous de la membrane. Donc, peu de chances d'avoir du bouchage, peu de chances que la membrane soit perturbée, la lecture, la régulation soit perturbée par des particules. Donc, un produit qui est plutôt robuste dans le temps. Un mot sur la Sensity maintenant. C'est une tête qui est esthétique et performante avec une variation temporelle de 0,2. Vous avez à l'écran les paramètres de l'EN215. La variation temporelle est calculée via l'hystérésis et l'effet de la température de l'eau.
On ajoutera notamment le temps de réponse qui est de 16 minutes, qui est un des meilleurs temps de réponse sur le marché pour un bulbe liquide. Donc, une tête qui est tout à fait performante. Sachez que, il existe des options. L'option, par exemple, avec l'écriture braille, le blocage en position 3, donc pour bloquer la température de 20 degrés dans les logements et ne pas aller plus haut. Il existe la fermeture franche avec une position 0. Sachez que le hors-gel, on a toujours un petit filet d'eau qui passe. Donc, quand on a une position 0, il n'y a plus de filet d'eau. On a vraiment une fermeture à l'entrée du radiateur. Et la sensitivité renforcée qui est plutôt dédiée aux ERP, donc aux établissements recevant du public. Ensuite, pour la pérennité du réseau maintenant, la problématique, on a un réseau étendu, on a un réseau vieillissant avec de multiples entrées d'air, donc on forme des boues. Le problème des boues vient en grande partie de l'air, donc je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous propose de vous reporter au webinaire de fin avril qui est à disposition sur YouTube et qui porte sur comment éviter de former des boues dans vos réseaux de chauffage. Donc, toute la problématique liée à l'air, à la formation des boues et comment les enlever est vraiment développée de manière approfondie dans le webinaire de fin avril. Donc je vous propose de le visionner si le sujet vous intéresse. Donc, on va évacuer les boues, on va éviter d'entrer de l'air et on va évacuer l'air. Donc, en préventif, on s'occupe de l'air et en curatif, on va séparer, enlever les boues. Donc, au niveau préventif, on va s'attacher aux poches d'air avec des purgeurs automatiques et on va s'attaquer à l'air dissous, puisque comme on l'a dit, on a un réseau qui est étendu. Donc, ça veut dire beaucoup d'interventions d'exploitants à plusieurs endroits du réseau pour aller purger le réseau. Donc, en s'attaquant à l'air dissous, on va résoudre en grande partie le problème et on va permettre à l'exploitant d'intervenir beaucoup moins sur l'installation pour des problèmes de purge. On va traiter l'eau de remplissage et l'eau d'appoint avec un adoucisseur. Et ensuite, on va conditionner l'eau du réseau avec des produits de conditionnement adaptés. L'objectif, c'est de piéger l'oxygène qui peut rentrer avec ce qu'on appelle un réducteur d'oxygène dissous. Et ça va être de régler les constantes de l'eau, donc notamment le pH pour éviter la corrosion acide. Et pour régler le pH, il faut notamment avoir une réserve de TAC, donc d'alcalinité, ce qui permet là aussi de garantir une eau de qualité optimale dans le réseau. Alors, au niveau de la séparation de l'air, excusez-moi, j'ai des bugs sur les animations. Le FlexVent Super, par exemple, purgeur proposé par Flamco, c'est un purgeur aussi avec pas mal de valeurs ajoutées. Il a une garde d'air qui est haute, donc il y a moins de risque d'encrassement du purgeur. Donc, il va fonctionner dans le temps. Il résiste à la dépression, à une légère dépression, donc on n'a pas de risque d'aspirer de l'air dans le réseau. Le flotteur est guidé, donc pas de risque de blocage du flotteur et il va résister aux à-coups dans le sens où la tête de purge est perpendiculaire par rapport à la garde d'air du flotteur. Donc ici, on évacue les poches d'air essentiellement à l'arrêt. Quand l'installation est en fonctionnement, on va préconiser un vacumatheco qui est là pour éliminer l'air dissous. Donc il est installé en chaufferie sur le retour chaudière. L'objectif, c'est en continu, par cycle, de produire des bulles d'air dans le vacumat pour pouvoir les dégazer, pour pouvoir les évacuer au niveau du purgeur du vacumat. L'avantage aussi ici, c'est qu'une fois qu'on a dégazé l'eau, on se retrouve avec une eau qui a une capacité de dissolution d'air importante. Par conséquent, notre eau, entre guillemets, propre, va aller solubiliser un petit peu toutes les poches d'air qu'il peut trouver par-ci, par-là. Donc, l'objectif du dégazeur, c'est d'évacuer en continu l'air dissous. Ça va permettre d'éviter d'avoir des problèmes de poches d'air un peu partout dans le réseau et ça va permettre à l'exploitant de diminuer drastiquement sa fréquence d'intervention. Et on va pouvoir dégazer l'eau de remplissage et l'eau d'appoint parce que l'appareil va pouvoir fonctionner avec le maintien de pression dont on a parlé au début de la présentation. Séparation des boues, Flamco préconise un Flamco Clean Smart.
Donc là aussi, c'est un produit qu'on va installer sur le retour du réseau. Il fonctionne de manière continue en dérivant 10% du flux. Sa technologie est telle, avec un effet Venturi au milieu, là que vous pouvez voir sur l'image de droite, qu'on va embarquer 40% des particules en dérivant 10% du flux. Donc c'est quelque chose qui est super efficace en termes de traitement des boues. Le gros avantage, c'est qu'il n'a pas besoin d'apport d'énergie extérieure. Il n'y a pas de perte de charge apportée sur le réseau. Donc c'est facile à installer et ça fonctionne tout de suite. Il est aussi muni d'un barreau aimanté de série pour récupérer tout ce qui est magnétite. Donc là, ça permet d'économiser de l'énergie, là aussi, et d'évacuer les boues et de garantir un réseau qui va rester propre dans le temps. Au niveau du traitement de l'eau de remplissage et éventuellement aussi de l'eau d'appoint, un adoucisseur va être installé. Donc, l'objectif de l'adoucisseur, c'est d'alimenter le réseau avec de l'eau qui ne contient plus de dureté. Donc, pas de calcium, pas de magnésium, donc pas de dépôt de tartre dans l'installation, donc pas de corrosion sous dépôt, pas d'algues sous dépôt, etc. Donc, ça permet d'éviter une partie des dépôts qu'on pourrait avoir dû à la salinité de l'eau. Il faut savoir que l'adoucisseur, c'est un procédé qui est extrêmement fiable dans la mesure où on entretient son adoucisseur. Donc, en association avec le maintien de pression automatique et le dégazeur, ça veut dire qu'on va alimenter notre réseau avec de l'eau qui est à la fois dégazée et adoucie. Et le dernier point, on va conditionner l'eau du réseau. Avec un produit du type Sentinel X100, qui est donc un inhibiteur de corrosion. Comme je vous l'ai dit, l'objectif ici, c'est de piéger l'oxygène avant que l'oxygène puisse réagir avec les parties métalliques du réseau. Donc, on va protéger les surfaces métalliques, on va capter l'oxygène et on va faire en sorte d'avoir du produit toujours en réserve dans l'eau du réseau, de manière à être prêt à capter l'oxygène qui pourrait rentrer avec de l'air. Donc voilà globalement tout ce que propose Flamco et Comap dans ce projet de rénovation et Sentinel également, puisqu'en fait les produits liés à la qualité de l'eau sont proposés par Sentinel. Donc on est dans l'univers HFC ici. Côté Flamco, on propose le maintien de pression, tout ce qui va permettre d'assurer la pérennité du réseau avec la séparation de l'air et de boue. Comap, de son côté, va proposer les solutions d'équilibrage, donc à la fois les produits et la stratégie d'équilibrage, plus tout ce qui est robinetterie de radiateur, donc l'autosar et la tête sans ITI. Et Sentinel va proposer les produits qui vont permettre d'assurer la qualité de l'eau du réseau. Donc voilà globalement tout ce qui est proposé dans le cadre de ce projet de rénovation. Pensez à HFC donc pour vos projets de rénovation, à la fois sur la partie produit, mais aussi sur la partie accompagnement, conseil, dimensionnement de vos maintiens de pression, par exemple, et stratégie d'équilibrage. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Je vous propose de nous retrouver le 30 juin sur un webinaire qui portera cette fois-ci sur le multicouche, mais plutôt sur l'aspect pratique du multicouche, les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quand on installe du multicouche. Vous pouvez en attendant nous retrouver sur Coexpert et sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à bientôt.